Bien bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Warhammer Total War 2. Comme promis, nous rejouons cette bataille qui en automatique a été perdue. Et donc on va essayer de se la gagner en manuel. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Normalement, je dis bien, puisque l'armée adverse est composée d'énormément de tireurs et assez vétérans. Je ne connais pas ces unités puisque je ne les ai jamais rencontrées. Enfin, je ne crois pas en tout cas les avoir rencontrées lors des dernières batailles. Donc, on va voir le fameux culte du plaisir des hédonistes. Nous allons donc créer une fois. J'ai peu d'unités en fait de charge. C'est ça qui va me poser problème. J'ai la garnison et tout. Oh là là, ça devrait être bon. On va se séparer en deux armées. En deux armées. Ça, c'est une armée qui va arriver par la suite, c'est ça? Dissimulée. Très bien. Dissimulée ou ça, je ne sais pas. C'est une armée qui va arriver par la suite. Nous avons le héros adverse qui est là, qui est sur un Pégase, une licorne, manticore, une manticore volante. Je ne sais. Non, c'est pas une manticore. Donc, je suis sur mon territoire, donc je peux avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre au contact direct, puisqu'il va falloir que je charge assez vite. Il y a que mes unités de cavalerie qui ont le droit d'aller se foutre là-bas. Ok. Et non, et c'est que lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ils peuvent aller jusque là-bas, eux, et pas les autres? Seules les unités d'avant-garde peuvent se déployer, d'accord. On va éviter de mettre nos tireurs. Ok. On va éviter de mettre nos tireurs en solo. Beaucoup, beaucoup d'unités. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà dégager tout le monde de là. Hop, on va prendre toute notre armée. Et on va venir faire un truc au propre. Voilà. Là, c'est dégueulasse comme ça. Ok. Nos trois lanciers. Devant. On va se mettre des numéros directement. Contrôle 1. Mon leader derrière eux. Contrôle 2 sur ces petites unités de charge. Contrôle 3 sur les tireurs derrière mes lanciers. Ok. Contrôle 4 sur mes cavaliers qu'on va séparer, bien entendu, du reste. Contrôle 5 sur le Triceratops. Posé par là. Mes unités volantes, contrôle 6, ça va être super chaud pour se retrouver. Contrôle 2, on va agrandir ma faction militaro-militaire ici. 4 unités de chargeurs. On a un caméléon en plus, j'ai pas vu. Tac. Contrôle 3. Pardon. On a un petit peu de préparation, tout ça. Un leader. Deux leaders. Contrôle 7 avec. De ce côté-là. Et enfin, une autre unité de charge cavalerie. Nous allons te mettre avec les autres cavaliers. Ah, on a fait une erreur. Et lui, ça c'est contrôle 4. Et les lanciers, en revanche, contrôle 7. C'est pas très très bien. Contrôle 4, on va faire sur cela en fait. 4 et je voudrais qu'en fait cela soit contrôle. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, on va faire comme ça. On commence la bataille. Ils ont déjà balancé un sort de mystification. Regroupez vos unités pour un meilleur effet. Les formations peuvent être efficaces lorsque vous manœuvrez devant les. Donc ils étaient cachés, ces petits fumiers.
Qu'est-ce que c'est ça? Alors, attendez, allons voir un petit peu ce que tu nous réserves. Infanterie lance-projectile. Eh bien ça, on va aller te charger directement. Ils ont pas de bouclier. On va y aller directement. On va lancer. Nos petits bonhommes. Et on va y demander à ces unités-là d'avancer aussi. De toute façon, il va falloir y aller. On va lancer les héros dans la mêlée aussi. On va pas se séparer sur plusieurs flancs, mais on va. On va chercher ça. Toi là-bas. Toi c'est pareil. Allez vous rapprocher. Ici. Bon, nos troupes vont se fatiguer forcément. Soin, pas gaspiller nos. Enfin, je veux dire, ne pas utiliser nos sorts. Ici, le carnage a été fait. On va vite envoyer des unités de cavalerie engager ces unités qui sont un peu plus loin. Quoi? Ok, ça me paraissait un peu étrange. Toi va pas trop loin. Et toi ici, en support derrière, on peut imaginer. Ouais, allez, on va tester comme ça. Ça c'est le problème, c'est que s'il commence à charger mes unités d'artillerie, là on n'est pas rendu. Ouais, c'est là où ça va faire mal. Mais il y a peu de chances qu'ils puissent nous battre. J'y crois moyen à leur victoire, étonnamment. C'est bizarre ce que ça donne là-haut comme des unités qui foutent rien. Unité de cavalerie Raptor là. Je vois pas trop. Alors, on va accélérer un petit peu. Laisser le ralenti. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas te battre? C'est leur héros. Bon, le héros, je dis, on laisse de côté pour le moment. J'ai l'impression qu'ils se font un peu tailler en pièces. Moi, je vois pas comment ils ont pu le perdre tout à l'heure. Vous battez avec quoi là? On va me chercher le héros, cavalerie. Ah, d'accord, lui s'envole. Victoire, écoute, easy peasy. J'aimerais bien qu'on leur roule un peu dessus, histoire qu'ils aient plus beaucoup d'unités. On va essayer de les crever à fond. Faut rien leur laisser. Nous avons besoin du les unités volantes, le 6.
Je veux du massacre là. En accéléré. Point de survivant trop n'en faut. Ça fait des unités gratos, voilà. Terminer la bataille. Si on peut les rosser. Alors j'ai pas bien compris comment on a fait pour la perdre en automatique tout à l'heure. Puisque là on les a quand même un petit peu décimés. Avec un peu de chance, on va même pouvoir lancer la poursuite et les finir en automatique. Ce serait vraiment pas mal. On va voir ce qui va se passer. Il faut que je fasse des prisonniers pour ma mission. Qui plus est. Charge, petit enfant. De justesse, d'accord. J'ai perdu. Ok, non. Pas trop comment il fait pour estimer victoires et défaites. Et on va commencer à essayer de vous pulvériser la gueule aussi de mon côté avec une armée qui va venir battre la campagne par chez vous. D'accord, tu peux t'échapper. Bon. Tu as le pouvoir de le faire. Il a perdu. C'est pas gros de l'autre côté. Les unités du nouveau monde, accélération hein, quand même, faut pas déconner, on peut pas tout regarder non plus. Pas pris de niveau toi. J'ai tout récupéré, c'est parfait, on n'en demande pas plus. On a dit qu'il nous fallait 6000 tout à l'heure, si je me rappelle bien, enfin hier d'ailleurs, pour construire un bâtiment qui me manquait. 5400, c'est pas ça. Centre géomantique renforce la toile revenu généré par les bâtiments. C'est pas ça, mais c'est bien. Il me semblait que j'avais vu un bâtiment qui valait dans les 6000 boules. Ah oui, c'était ça là. Prêtre 1, rendre magie plus 10, rendre recruté plus 1, taux de recherche plus 12, et ça. Production de ressources d'animaux exotiques, entretien moins 25%. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on cherche pas par exemple le grand dessin? On n'y est pas encore, on a encore pas mal de recherches à faire. Ça y a déjà dans le royaume. Intégrité, bon ça, ça va. Chambre des étoiles. Ouais. Moi je dis, il faut aller chercher des bâtiments qui ont un niveau 5 parce qu'on peut pas les construire ailleurs. Enfin, pour le moment en tout cas. Revenu généré plus 15%, renforcement de la toile géomantique. On est bien avec ça. Ordre public plus 3, intégrité plus 8, revenu généré par tous les bâtiments plus 8, toutes les régions de cette province. C'est un dilemme. À moins que je rate un bâtiment là que je ne vois pas et qui est vraiment nécessaire. Ça on l'a déjà. Il va falloir augmenter après. Ouais. Qu'est-ce que je rate? Pourquoi je peux pas construire le niveau 5? Ah bah si, il me le propose, d'accord. Ah. Nécessite commune des fabricants d'armes. Et ça c'est où? Je pense que ces bâtiments là, ils sont quand même pas mal. Moins 25%.
Entretien. Parce que nos chargeurs, là, nos unités montées, c'est quand même. J'ai l'impression que c'est quand même la force. Allez, 9000, on va attendre encore un coup. Bâton interdit. C'est nul. Plaque d'anciens. Trésor des anciens. 500 prisonniers. 10 plaques. Quête émise. Remporter la bataille suivante avec une armée menée par le étendard solaire. Une armée menée par le seigneur Mazudi. Là, il y a une bataille. Ok. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette bataille? Forces ennemies. Des forces du chaos. Démonteurs, des maraudeurs. Qu'est-ce qu'il dit, notre ami? Notre ami, il dit qu'il pourrait bénéficier de quelques renforts. C'est les unités d'artillerie que je vais aller chercher. Qu'est-ce qui me manque? C'était galon sauvage. On prendre 1100. C'était galon, ça fait bien mal, hein. Et on va se mettre deux petits. Voilà, ce sera bien. Deux tours. Stégadon sauvage. Pourquoi je peux pas le construire d'ailleurs le. Ah! Stégadon ancestral Carnosaur. Oui, 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 oui. Sanctuaire sanglant de Sautec. Il me manque des bâtiments. Mais. Temple des anciens. Sanctuaire sanglant. Où sont donc tous ces bâtiments? C'est ça là, non? Apporte la garnison, permet le recrutement. D'accord, ok. Ça, il faudra qu'on aille le chercher. Bon. Très bien. Et ça, on va le monter du coup pour augmenter les revenus. Quand même. Toi, on s'en fout pour le moment, tu fais remonter l'ordre civil. Une recherche. Alors, chance de trouver des objets magiques plus 5. Ouais, croissance plus 15. Une fois de nouvelles. Une fois. Quoi? Pardon? Croissance plus 15 quand tu connectes un nouveau truc. D'accord. Revenu commercial plus 10. Non, entretien moins 10 pour les skinks, ça c'est bien. Entretien moins 10 pour l'infanterisaurus. Oui. Ça on veut. Ça et les skinks qu'on veut. Ok. Et on va vite aller faire la mission. Faut qu'on se concentre sur les plaques maintenant. C'est une bataille. Ah, mais mon guerrier là-bas il fait quoi? Ah, il avance peut-être tout simplement. J'aimerais bien savoir ce qui s'y passe. Parce que normalement j'ai un guerrier qui est sur les côtes là. Mais j'avais programmé un ou deux mouvements donc il doit. Tout à fait. Et tu vas pas te fatiguer, pépère. Ouais, grosse attrition là. Facile, auto-résolve. Et là, je pille, je rase. Je rase. Ah! Je mets à sac, je prends. Capturez pas la colonie, mais dérober des richesses, endommager ses bâtiments. Tous les captifs sont réduits en cloche, ce qui provoque une réduction de l'ordre public et les anciens propriétaires vous aiment beaucoup moins. Ou je rase. Et on va les affaiblir hein, parce qu'ils nous font chier. Sur la thune, ça va. Pff, non, mettre à sac. Au pire, je raserai au prochain tour. Affaiblis vos guerriers, monseigneur. Ne vous attardez pas ici, je peux en venir. Valable. Ah, je peux pas piller, occuper, je peux. Non, ok. Je peux pas raser au tour suivant. Très bien. J'ai mis à sac. On va aller essayer de dégommer ton armée qui traîne là-bas. Et puis on va aller se refaire une petite santé après.
tranquille ici. Très bien, merci. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi, ici? Plaques anciennes, 10, réserve de puissance. Nanana, défense de mêlée, trésor des anciens. Garnison supplémentaire. On va attendre les 9000. On va aller construire le gros bâtiment. Est-ce que je peux fumer, toi, du coup? 64%. Bien joué, pépère! Petit sorcier niveau 13 là qui va bien. Résistance au projectile. Est-ce qu'on en commencerait pas à en faire un héros supprimer la corruption, ça va bien. Est-ce qu'on commencerait pas à en faire un héros ensuite de un héros de bataille? Ça pourra vraiment me servir, je pense, par la suite. Construction. 3800, on va attendre. Il me faut vraiment les 9000. T'es pas encore très très fort. Prédation, bonus de charge. C'est que pour lui aussi. Et au tour suivant, on aura assez de... d'énergie, enfin de ressources pour aller faire la grande bataille qui nous est proposée. Je sais pas combien de tours il faut avant que je puisse la fumer. C'est juste pas dans le même tour, tu peux pas piller puis fumer ou... Chance de succès de l'action du héros ennemi, voilà, autodéfense du héros, non, c'est pas la peine. Est-ce que là ça marche? Jeu non, résolution auto. Et là je peux raser ta ville normalement. Voilà, et là je te rase. Très bien. On va continuer, fier combattant. Succès, réduit en cendres. Est-ce que nous avons des héros ennemis? Non, pas de héros ennemis dans la région. La corruption descend, c'est parfait. J'ai 9000, je vais pouvoir aller construire ici ce bâtiment qui nous faisait envie. Moins 25% pour les terradons et tout ça. Et ensuite on pourra développer naturellement le reste de nos cités. Comment ça se fait que je perds de l'argent? Ah non, parce que j'ai mes nouvelles unités qui sont arrivées, bien sûr. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce héros là qui vient près de nos frontières? J'ai l'impression d'avoir vu un gros dragon. Qu'est-ce qu'on peut choisir, quoi? Seigneur caméra. Ah d'accord, on peut tout choisir. Très bien. J'aime pas du tout ce que je vois là-bas. What? Qu'est-ce que c'est ça? Faction détruite. Rite expiré. Ok. Et je... Vache! Alors là, c'est la merde. On va essayer de bloquer, ça n'a pas marché. Ça sent la tuile. Ça sent la tuile. On va faire monter de toute façon notre seigneur et maître et ami de tous pour venir prêter main forte. Ici. Voilà, on va essayer de prêter main forte aux unités si jamais ils attaquent et ensuite on pourra aller faire la mission. Tranquille. Qui est-ce qui a pris? C'est le héros ici qui a pris. Pourquoi? Je sais pas pourquoi il a pris. On va continuer à le mettre en meneur.
disponible. Et quand il a des bénédictions qui peuvent s'activer ensuite au niveau 10 et niveau 8. Les skinks, non. Fin cavalier, 5%. Ouais. Je pense qu'il va falloir commencer à miser sur la cavalerie. On va laisser venir. Hein. On va voir ce qu'ils sont là pour faire. Faut un petit peu peur. Ok, donc là c'est la tuile. C'est la tuile. On a ce seigneur qui vient nous attaquer. Il est niveau 23. Il est gavé d'objets magiques. Pourquoi cette bataille se déroulera en dehors de la colonie? Ça, je. Pourquoi c'est en dehors de la colonie? Pourquoi moi je suis jamais dans les sièges? Je ne comprends pas. Bah, on va y aller, hein. On va pas laisser cette bataille. J'aurais peut-être dû sauvegarder juste avant. J'ai ma grosse armée qui est derrière, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais ce héros-là, bon, j'avais un peu d'affect pour lui. J'avais un peu d'affect pour lui. L'armée de Patitanes non plus, ils ont beaucoup de tireurs en revanche. Il me reste deux unités de cavaliers. On va voir. Les balistes vont me faire chier, mais j'ai beaucoup de terreau. Donc les ptérodactyles. Je peux pas. Alors. Contrôle 1. Unité volante. On va faire un bloc ici. Les unités montées. 1, 2, 3. Contrôle 2. Parce que c'est là où on va en avoir le plus besoin. Et ensuite, prise de position. 1, 2, 3. Merde. 1, 2, 3. Tu veux pas te... Mais je fais n'importe quoi ou quoi? Voilà. On va s'avancer un petit peu quand même. Faut pas déconner parce que sinon, à moindre retraite, je perds toutes mes unités. Hop, on dispose nos unités. C'est pas bien disposé. Yes. Les Saurus ici. Les unités de tir derrière. Mon petit bourrin ici. T'es où toi? T'es bon, t'es là le skink. Tout va bien. On va faire une unité de de combat mobile sur le côté. On va voir ce qui se passe ici, ce sera la force 3 du coup. Moi j'ai personne qui traîne, mon héros ici pour encourager avec son aura. Et on commence la bataille. Je pense qu'il va falloir assez vite faire. On va aller harasser les balistes assez vite. Ah oui, oui, c'est assez vite même. Et on va envoyer les cavaliers juste derrière. Force 2. Ils vont foutre leur lancier de merde pour... Ils tirent vraiment trop loin. Ça c'est problématique. Ouh là là.
pouvoir aller niquer une ou deux de leurs unités. Ça c'est bien. Moi il va falloir que je fasse avancer cette force. J'espère qu'ils vont rester en formation, sinon c'est la tuile. Pas du tout. Pas du tout, c'est la tuile. Alors, on reprend. 1, 2, 3. Ici. Ça, c'est de la merde. Voilà. Vous ici. Ici. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Mes King Tireur. Voilà, on va voir. Toi, Stegadon, tu vas aller rusher le bordel. Et les deux héros sur le héros adverse. Allez. On va voir ce que ça donne. Retraite de nos cavaliers. Parce qu'on a des lanciers qui arrivent. Ça, c'est très mauvais, les lanciers pour les cavaliers. On va les charger là-bas. Ça, c'est bien, là. C'est bien, ça. Bien, mon gars. Pas beaucoup de pouvoir par contre. Ça c'est la tuile. Ici les deux unités, on attaque. Repli. Saurus ici. Tirer sur ceux de derrière. Force numéro 1. Non, là les lanciers. Ici est-ce qu'on a détruit les balistes? Pas l'impression. Deux. On les prend à revers. On va se séparer sur plusieurs unités. Avant qu'ils aient le temps de revenir. Parce que j'ai des unités qui foutent rien, tout à fait. On a fumé leur leader, ça c'est bien. Il est mort, putain, ça c'est bon. Le général ennemi a été blessé au combat, monseigneur. Il ne peut plus mener ses troupes. Profitez. Donc les on les a encerclés normalement. Si je fais pas de conneries, on peut faire un carnage. Donc, nos lanciers. On va essayer de cartonner. Non, nos lanciers. Nos. Pardon, nos. Javelins. Ici. Toi, ici. Cavalerie. Ici. Toi, viens par là. Et tu te fais du javelin aussi. Cavalerie, si tu peux t'échapper et venir dans la mêlée ici, et on voit ce qui se passe. Normalement, mes cavaliers T-Rex là, faut que je monte ces unités de cavalerie. En même temps, t'as des. C'est-à-dire ce sont des guerriers lézards sur des vélociraptors, donc il y a moyen que ça fasse assez mal. Mes seigneurs. Potion d'endurance.
Il est où lui? Est-ce qu'il a besoin de soigner une unité? Reculation. Je vais perdre des unités aussi, mais je pense que c'est une grosse défaite pour les autres. Il faut vraiment les massacrer. Bon, de toute façon, leur héros est mort, donc victoire, oui. Bah, comme le héros est mort, on est bon. Oompa Loompa. Putain, niveau 23, vous avez bien géré les cocos là. Très très bien, très très bien. Nagaronde. Bien vilain celui-là. Bien vilain. Mais tu m'étonnes. Du pognon, du pognon. Ah bon? Comment c'est poédé? Après on... j'ai l'impression qu'on est assez cantonné à sa région, alors est-ce qu'il faut guerroyer avec ses proches pour avoir est-ce qu'il faut guerroyer avec ses proches pour avoir le contrôle total d'une région? Ma foi. Capacité frénésie. Mission envoyée, raser ou mettez à sac le pic des titans. Ah bien. Je suis à guerre avec eux aussi. Parce que j'ai un truc de régène. Si je fais ça par exemple. Ok. Je peux régène. Et je vais tester quelque chose. Je vais emmener mon. Mon héros par là-bas. Voir ce qui s'y passe. Est-ce que je peux aller vous finir? Le fuir normalement, mais... Voilà, hein. On va pas le laisser récupérer. On va prendre l'expérience. Et on va revenir en zone pour pas prendre trop de... Pas prendre trop de petits... Comment dire? De petits malus. Sans froid. Qu'est-ce que c'est là-bas qui... Doyen vénéré. 20. Ordre public plus 1, entretien moins 5. Ah oui d'accord, quand t'es un... Uber général. Allez, cavalier continue. Pardon. On va aller chercher cette mission de quête aussi, là, ici. Hop. Je sauvegarde avant. Ah, ils ont... Je crois qu'il va me falloir quelques unités volantes. Repli. Repli, et ce qu'on va faire, on va se mettre en local, là, on peut... Ouais. Ça aussi, il va falloir que je monte commune des fabricants d'armes. Il y a des bâtiments qui me manquent, hein.
Comment ça se fait que j'ai que plus 809? C'est l'entretien des armées. Revenu secondaire, les taxes, le commerce. Total. J'ai des grosses armées. Bon. Je vais supprimer. Deux skink. Je te kick. Et je vais me prendre deux ptérodactyles. Deux ptérodactyles. Qui vont bien compléter. Maintenant, on peut aller acheter des choses. Ici. Pour aller augmenter les revenus. Bon, de la région, c'est pas ouf. Pourquoi j'ai que 1000? Est-ce que toutes les régions sont taxées? Moins de non. Il va falloir que j'augmente l'ordre public ici. Ici, on peut acheter des petites choses qui vont nous donner des sioux. Très bien. C'est taxé. C'est pas taxé. C'est quand même 1000 là-bas qui ne tombe pas. Est-ce que je pourrais, par exemple, recruter un héros ici? Est-ce que je peux recruter un héros qui augmente l'ordre public? Détail des garnisons, recruter un seigneur, recruter un héros. Aucun personnage disponible. Ici on ne peut pas. On verra après si lui peut pas venir augmenter l'ordre public pour récupérer 1000 tous les mois, ce serait quand même intéressant. Et fin de tour. On va laisser se régénérer notre armée de campagne. Ah! Qu'est-ce que tu me dis, toi? D'un coup, tu veux un traité de paix. Très bien. Moi, c'est le truc du plaisir là, que je veux ruiner. Est-ce que j'y faudrait pas que je me farcisse les orques au sud, du coup, maintenant? Pas l'air de bouger des masses. Sans prisonniers, 20 tours. Ok. On a la go. L'étendard solaire, ça on va essayer de la faire, mais elle me paraît un peu robuste. Et ici, on a des copains. Chotek et Temple de Teclan. Chotek, c'est une autre armée qui est là. Dommage qu'on voit pas les relations qu'on a directement avec les factions. Si, ordre public, non. La haute santé. Je crois qu'il va falloir que je me farcisse les humains dans pas longtemps. Pour récupérer ici une région. Et la deuxième région ici là. Et on aura un territoire assez important. Pour le moment, on va continuer notre campagne ici. Où est-ce qu'il en est pépère? On va lui laisser encore un petit tour ou deux de récup, histoire d'être vraiment... Non. Voyons voir. Si je viens là, et que je mets mon héros ici... Du coup... Comment on peut voir... Comment on peut voir l'état de la région? Ordre public plus 3, ouais, très bien. Mais on peut pas voir la santé globale de la région. Faut aller là. Moins 3, plus 9. Ah ouais. Tu peux faire monter l'ordre public en fait dans une région. Et potentiellement aller la récupérer. En fait, la dé... de désensibiliser. Où est-ce qu'ils sont passés, mes ennemis, là? Je comprends pas. Le culte du plaisir, ils sont barrés où? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a ruiné la gueule à tout le monde par là. Diplomatie. Copain. C'était là, là? Ah, y a plus. D'accord, c'était juste une faction qui était venue pour me faire chier. Très bien. Bah, on va se replier. On va se replier. On va aller faire une campagne au sud, je pense.
Essayer d'aller fumer de l'orque. Toi, tu vas rester là. On va voir ce que ça donne quand tu... Déplacement. Tu vas arrêter de perdre des unités, là, de petits... Tu vas venir par là. Il y a un ou deux trucs à récupérer de ce côté-là. 1, 2, 3. Ouais, on va faire ça. Tu vas plutôt. Tu vas venir par là. Traverser. Très bien. Allez. On va sauvegarder avant la bataille. Parce que ça me paraît quand même un peu tendu. Est-ce que toi tu peux venir en renfort où il n'y a que le copain qui est sur la zone là qui peut le faire? Ah, Pax au renfort, c'est quoi? Bannière de guerre. Ah mais oui, mais je la mets jamais, je suis bête moi ça, les bannières. Commandement plus 5 à l'unité assignée. On va mettre ça à... ici, une bannière. Kogringsort, tiens, j'en ai pas encore. Allez, prendre part à la bataille. Parce que j'ai souvenir dans le premier d'une bataille comme ça contre le chaos, où en fait l'adversaire avait tout le temps des unités qui arrivaient. Et ah, c'est top! C'est devant le sanctuaire. Le vieil ennemi. Ah oui, d'accord, on est là pour défendre en fait le temple qui est en train d'être attaqué par le chaos. Mortel! Avec cette grosse relique qui était au milieu là. Vraiment intéressant. Petite séquence d'animation. Nous explique qu'est-ce qui se passe. Non ? Oh oh. Ah ouais, ça c'est moche. Mortel ! J'ai parlé. Voilà ma volonté. Accomplissez-la. Ok, mortel. Donc ça, c'est un allié. Je ne le contrôle pas. Très bien. Guerrier Saurus. Donc, eh bien, ils vont nous attaquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une première ligne de défense en bas. Ici. Ce qu'il faut, si j'arrive à les concentrer là-dessus, j'ai pas l'impression qu'ils aient d'autres passages. Donc, il va falloir, en fait... aller très très vite les contenir ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va mettre une unité là, mes King Tireurs là, un derrière. Je n'ai pas assez en fait de King Tireurs. Ouais. Viens mettre là. C'était pas la bonne. Pas grave, on va venir. Un là. Un là. Et un troisième. Qui va venir en renfort. Ok, en renfort. Au cas où ici. On va mettre nos deux bourrins ici. Et on va pouvoir aller envoyer nos unités volantes. Les faire chier par là. Est-ce qu'ils peuvent passer au-dessus? Oui, ça c'est bien. Il m'aurait fallu plus d'unités volantes. C'est pas bien grave. 1, 2, 3, 4. Et là, contrôle 2. Et ça, ça va être chiant. On va essayer de les faire passer. On peut pas les faire passer. Bon, très bien. On va les mettre par là pour le moment. Allez, play. Dépêchez-vous, bande de facochères. Et bien sûr, toi, j'avais oublié. Ici mon gars sûr. Il se casse, très bien.
Ils se déploient, qu'est-ce qu'ils font? Très vieille espèce, dites-moi. Oui, fuyez. C'est trop bien ça. Qu'est-ce que tu as sous la main comme sort, Pépère? Souffle de minuit. Moins 30 à l'armure, moins 26. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que tu peux l'envoyer sur ces gros facochères, ici, là? C'est une zone ou c'est... On va faire ça. Ensuite, tu as un corps qui augmente la charge. Tu as... Un éclair avec la pierre de façon dure, blablabla, pour activer la visée, un truc de soin et un bouclier des anciens qui résiste à la magie au cas où on en a besoin. Très bien. Faites pas chier. Allez-y maintenant. Ce qui est bien, c'est que ça agit sur toutes les unités. Ça c'est pas mal. Infanterie monstrueuse. On va envoyer nos... Le géant hein. Ensuite on va... Avancer nos unités. Le seigneur Saurus, il vient derrière. On va essayer de les tirer sur leur seigneur. Ici, vous faites le job. Vous allez les fumer. Où sont mes... Allez. Mes unités monstrueuses. Vous dans la mêlée sur le côté. Est-ce qu'ils peuvent passer derrière les cavaliers? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que tu peux fumer le second maintenant? Le géant fait super mal. Est-ce que notre seigneur et maître peut refaire un petit sort de souffle de minuit? Tout à fait. Plein milieu là de la mêlée. Et en revanche, ensuite, tu... Ah, c'est que pour une unité. On va le faire. Non, souffle de minuit, on a dit, au milieu. Ah, mais ça c'est bon, ça touche vraiment tout le monde, quoi. Vous maintenant, derrière là, vous venez pilonner ces cons. Il y a des renforts. Retraite des cavaliers. Ça
Où il est mon gros pépère là? Anticorps sauvage, bon, ça tu vas essayer de partir le pépère. Ah oui d'accord, il y a des renforts du chaos. Allez les friter pendant que vous pouvez. Deux unités de caméléon, la troisième elle est où? Non, venez pas mourir. Aïe 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 aïe, il a tué là. Stegadon qui est on fire. Il y a un qui est en fuite. Il est fou, lui. C'est une victoire. Yes. Donc en fait, les renforts ne peuvent pas marcher. Donc il y avait des renforts. Ah oui, d'accord. C'est la deuxième armée qui est arrivée. Ce qu'on ne voyait pas au début, en fait. On va laisser notre général en haut. On va faire descendre notre ami... j'ai oublié son nom encore, le seigneur et maître de la seigneur Mazdamundi qui était marqué en plus à l'écran et ce sera sur un prochain épisode où on fera ça. On va juste regarder un peu les cadeaux qu'on a. Je veux
L'expérience, c'est bon. Je veux du trésor. Merde, on a une force du chaos qui se balade. Non, c'est bon. Récompense 1500, plaque plus 30. Passe niveau 16, pépère, ça c'est bien. Toi, tu peux rentrer. Seigneur Mazdamundi, on va te mettre en ordre de marche de guerre. Et tu vas descendre à la grande cité. Bon, ça se fait que j'ai que plus 809. Comme d'hab, je n'y comprends rien. Ça sera au prochain tour. Et toi, tu vas continuer à faire monter la pression chez eux. Et on va aller récupérer dans un prochain épisode la cité ici. Je pense qu'on va être obligé de déclarer la guerre à nos amis et voisins pour récupérer la région. Hein. Là, on a un sacré paquet de terrain qui pourrait fortement nous aider. Parce que là, on est vraiment à la bourre par rapport à nos collègues. Les plaques anciennes plus 6, on va pas gagner la bataille avec ça. On va voir. Construction. Qu'est-ce que tu veux que je construise un niveau 4? Et c'est parfait. Ça sera débloqué au niveau 4 et au niveau 4. Deux bâtiments en plus. Un héros qui demande... Qui ça? Mazdamundi. 17. Non, pas encore. 16. Au prochain tour, on pourra le faire. On va continuer à développer tes sorts. Parce que, dis donc, le souffle de minuit, là, c'est vraiment, vraiment bien. Temps de repos moins 50%. Ouais, coup de magie moins 2. Coup de vent mais... En magique, moins 3. Risque d'échec, moins 15. C'est une amélioration du taux de réussite. Ok. Mazdamundi est avec nous. Tepok. Qu'est-ce qu'on peut... On peut passer niveau 2. Plaque des anciens. Générer 10. En fait, c'est par les bâtiments qu'on... Il faudrait que je regarde un petit peu sur... Parce que là... vraiment à la bourre. J'ai même pas fait le deuxième stade, ils l'ont déjà fait. Tout le monde l'a déjà fait. Un petit dernier tour et puis s'en va. On va voir si ça fait régresser l'engeance du chaos dans la... Dans le coin. Pour le moment, les objets qu'on a récoltés dans les chasses au trésor étaient pas foufou, hein. L'exoat là. Hop, tu vas te soigner un petit peu. Mettre en marche de bataille. Moins 1, ouais, moins 1, plus 1, c'est pas assez intéressant. En revanche, si tu vas par là, pépère, on aura 12 tours, mais on va pouvoir récolter 1000 de plus par tour. Ça va être bien. J'ai vraiment beaucoup d'entretien pour mes armées. Tu me proposes un rite. Toutes les forces. Gain d'expérience. Partout. Ah oui, mais il faut que... Non. Toutes les forces. Pendant 20 tours. Expérience de rejeté plus 2. Revenu issu des pillages post-bataille plus 25. Capacité de... Ok. C'est un rite pour préparer à la bataille. Et c'est sur cette note de petit violon que l'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît, et si je suis tout seul à parler, bah c'est pas bien grave, je me suis bien amusé. Allez, bonne journée, salut.